Good morning, allez, Iden, et tu seras aujourd'hui le Lunishmat, Mourib Rabishmuel, Ben Shlomo Zalman, Nissim Ben Ahouda, Sarah Batranachel, Shlomo Ben Esther et Shlomo Nissim Ben Sarah. Si vous souhaitez, vous aussi, une prochaine étude de Mishnah, côté de 5 minutes éternelles, nous étudions Maseret Minachot, Perek Gimel, Mishnah Dalet. Nitmeu, Sheyarea, Nisrefu, Sheyarea, Avdu, Sheyarea, Kemidat Rabbi Eliezer, Kshera, Uchmidat Rabbi Yoshua, Psula, Shelo Bichli Sharet, Psula, Rabbi Shimon Machshir, Les Mishnah deviennent beaucoup plus faciles, c'est plein de petits sujets sur la mincha. Premier sujet, trois sujets en l'occurrence dans cette Mishnah. Lorsqu'on fait une mincha, donc il faut distinguer le petit prélèvement que l'on fait, d'accord, la pincée, l'échantillon qu'on appelle ça l'échantillon qu'on apporte sur le bête qu'on offre au Misbéach, et le reste de la mincha qui va être consommé ensuite par les Kohanim, d'accord? Donc il y a le Kometz et les Shiraim, les restes, d'accord? Le premier sujet de la Mishnah est de savoir qu'est-ce qui se passe si je prélève le Kometz, mais que jusqu'à ce que je le fasse monter sur le Mizbéach, il y a eu un problème dans le reste de la Mincha, dans les Shiraim, il n'y a plus de Shiraim à manger. Ça a été impurifié, ça a été brûlé, ça a été perdu, peu importe, il n'y a plus de Shiraim. Est-ce qu'on peut, malgré tout, faire monter ce Kometz, ou bien un Kometz, un échantillon qui ne représente plus rien du tout, il n'a plus de sens. Il y a en cela une machloquette, en fait, qui se trouve dans la Maseret Psachim, et on commence, on traduit tout de suite, puis après, on élargit un petit peu le tir. Nitmeu Sheyarea. Les restes ont été impurifiés. Le reste, donc le reste, la mitra, en fait, qui doit être consommée par les Kohanim, elle a été impurifiée. Ou encore Nisrefu Sheyarea. Et ils ont été brûlés, les restes. Ou encore Avdu Sheyarea. Ils ont été perdus. Les restes ont été perdus. On les a plus retrouvés dans la Zara. La Mishnah m'enseigne. Kemidat Rabbi Eliezer Kshera. Selon l'avis de Rabbi Eliezer qui nous enseignait son enseignement ailleurs, la Mishnah, la Mincha et Kshera. Ok, Kemidat Rabbi Yoshua Psula. Tandis que selon l'avis de Rabbi Yoshua, alors c'est impurifié. La Mincha est invalide. Kemidat, c'est un peu dur à traduire le mot, c'est-à-dire selon la mesure de Rabbi Eliezer. C'est-à-dire selon l'enseignement qu'il nous enseignait ailleurs Rabbi Eliezer ou Rabbi Yoshua, selon Rabbi Eliezer c'est permis, selon Rabbi Yoshua c'est permis. C'est pas soul. Maintenant, de quoi ont parlé Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua? C'est dans Perek Ketzatzolin, dans Masechet Psachim. On parle là-bas du même principe, dans une autre configuration. On a réceptionné le sang d'un corban pour aller l'asperger, et puis jusqu'à qu'on finisse l'asperger, il n'y a plus d'animal. Il a été brûlé, il a été perdu, il a été impurifié, peu importe. Il n'y a plus d'animal. Est-ce que malgré tout, on va dire, bah écoute, pour le mort, lorsque tu as prélevé le sang pour l'asperger, il a été prélevé, récupéré, réceptionné comme il se doit. Ben, continue à l'asperger, il y a quand même une mitzvah, et tu vois, comme ça, le propriétaire va faire finalement sa capara. Ça, c'est l'avis de Rabbi Eliezer, tandis que Rabbi Yoshua vient et nous dit, non, s'il n'y a plus de le principe du sang que l'on asperge au misbéach, ou du kometz, de la pincée qu'on va faire monter sur le misbéach, c'est le représentant. Mais si le représentant, il n'a plus de peuple derrière, ben, il n'y a plus de représentant. Le représentant, c'est un individu qui n'a plus aucun sens. D'accord? Ça, c'est la première discussion de la Mishnah. Deuxième sujet maintenant, Shelo Bikli Sharet Psula Rabbi Shimon Machshir. On parle, il manque l'introduction, en fait, on parle que, comme il nous dit le Bartanoa, Shelo Kidesh HaKometz Bikli Sharet. Lorsqu'on fait la mincha, on a la première assiette où se trouve là-bas, disons si c'est une solette, si c'est de la semoule mélangée avec de l'huile, et la levona, il faut réceptionner. Alors, on prend le kometz, on prélève l'échantillon, la pincée, avec les trois doigts, on la réceptionne, et puis, jusqu'à maintenant, on a toujours évoqué qu'il fallait la mettre dans un kli sharet, dans un ustensile du Beit HaMikdash, et prendre ensuite cet ustensile avec la levona dedans, le prendre et le monter sur le misbéach pour le brûler. D'accord? Qu'est-ce qui se passe si le kohen, maintenant, il le prend dans la main, et il monte comme ça en le gardant dans la main? Il arrive au misbéach, au feu là-haut, et il le jette tel quel, sans le faire passer par un ustensile intermédiaire, sans un ustensile qui devait être un klisharet. Il y a en cela une discussion. Que Tanakama, invalide, Shalom Biklisharet, donc s'il n'a pas mis le kometz dans la mincha, alors le Shalom Biklisharet, il n'a pas mis le kometz dans le Shalom Biklisharet, il ne l'a pas fait passer par un klisharet, un ustensile de service du Beit HaMikdash, psula, c'est invalide. Il faut nécessairement le mettre dans l'ustensile et le faire monter par l'ustensile, le klikodesh. Tandis que Rabbi Shimon valide. La discussion en profondeur,
c'est très simple. Chachamim, eux, toujours la Torah, elle a toujours évoqué qu'il fallait le mettre dans un... Concrètement, Chachamim considère que prendre le komet, c'est comme faire la shrita, et après mettre le komet dans l'ustensile, c'est comme faire la Kabbalah. D'accord ? Et Rabbi Shimon, lui, il a un limoud assez original, que la Mishnah, le pasuk nous dit dans la Torah, « Kodesh HaKodeshim hi kachatat vecha hasham ». Il y a un pasuk rapporté dans le Bar Tanoura, dans Rabbi Shimon Marchir, qu'elle est Kodesh Kodeshim, elle est ultra sainte, la Mincha, kachatat vecha hasham. Comme le khatat et comme le hasham. D'accord ? Le khatat, c'est un korban khatat, hasham, c'est un korban hasham. Chacun, il est Kodesh Kodeshim, comme ce qu'on avait appris dans Zvachim. Et qu'est-ce qu'on apprend de cette juxtaposition de comparer un khatat et un hasham ? Eh bien, Rabbi Shimon enseigne, c'est simple, tu peux le faire soit comme une khatat, soit comme une hasham. La hasham, c'est vrai que tu prends l'ustensile et tu asperges depuis l'ustensile. Mais la khatat, si vous vous souvenez, on doit à la réception nécessaire dans l'ustensile, le sang, mais après le Kohen le prend avec son doigt, il asperge sur le misbeach, il étale sur les quatre coins. D'accord ? Donc ça c'est kachatat veka hasham. Et donc Rabbi Shimon enseigne, ben, il en va de même aussi pour la mincha. Tu peux soit le prendre par la main et le jeter directement au feu, ou soit le mettre dans l'ustensile, le faire monter par l'ustensile. D'accord ? Et voilà, on a fini, ça c'est la halakha de Chachamim, de Rabbi Shimon. Je suis troublé par ma petite qui est en train de se lever dans le cours, mais ça va aller bien dans la semaine. Iktir kumtsa pa'amayim kshera. Iktir kumtsa pa'amayim kshera. Littéralement d'abord. Il a fait brûler le komets en deux fois. La mincha et kshera. De quoi on parle exactement ? C'est simple. On parle qu'il avait le komets. Il a réceptionné, il l'a mis dans l'ustensile. Et bien la mincha en scène, s'il a coupé en deux, il a mis d'abord une. Même dans deux ustensiles, peu importe. Ouais, il a séparé en deux, il a fait monter en deux fois. Une première fois, il prend ce demi-comet, il le fait brûler, ça, et après une deuxième fois, la Mishnah enchaîne que ça marche. On peut faire le comet en deux fois. Ça marche aussi. Maintenant, une condition quand même, c'est que dans chaque demi-comet, il reste quand même un kazaït. Or, dans une pincée, la pincée contient deux kazaïtim uniquement. Pas plus, et pas moins. Et malgré tout, donc s'il a une pincée avec deux kazaïtim, il pourra le couper en deux et faire un kazaït puis un kazaït. Mais s'il fait moins que kazaït, ça n'a même pas un statut de haktara, donc la mincha sera invalidée. C'est expliqué dans le Bar Tanoura, regardez. Iktir komtsa pa'amayim, chatsi komets bepa'amachat, vechatsi komets bepa'amacheret, vedavka nakat pa'amayim betulo, den komets pachot mishnei zetim, vechipa ligle lishte pa'amim, nimtsa shen haktara bepachot mikazaït. Kalfikar kshira. La règle, en deux mots, quoi, il faut un aktara par contre du kazaït. Quand tu fais brûler quelque chose au misbeach, il faut que ça contienne au moins un kazaït. Donc le komets, tu le coupes en deux, c'est bien, mais pas en trois, par exemple, parce qu'en trois, il y aura moins qu'un kazaït. D'accord ? C'est le principe de la Mishnah, et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Astachakolotos.